Metallica, Slayer, Megadeth et Anthrax à eux quatre, ces groupes représentent le Big Four américain. Alors c'est marrant parce que chacun de ces groupes a sa propre personnalité, son propre son, sa propre originalité et quelque chose qui le différencie des autres. Ou presque. Metallica, évidemment, ce sont les plus gros, ce sont eux qui les premiers ont brisé le plafond de verre, c'est le groupe qui est arrivé à écrire Nothing Else Matters, Mama Said, Fight Fire With Fire, Battery ou Whiplash. Ils ont élargi leur public au départ strictement de métalleux pour aller piocher dans un auditoire rock et avoir ainsi un grand succès. Slayer, ça a toujours été les plus méchants, ça a toujours été les plus punk, les plus trash, les plus provocateurs. Le groupe qui sentait le plus le soufre, qui restait le plus longtemps fidèle à la formule qu'ils avaient créée au départ. Megadeth, bon ben Dave Mustaine, il se contente d'être Dave Mustaine et ça suffit largement pour le différencier des autres. Et évidemment, quand on a derrière des albums comme Rust in Peace, Peace Sells, Killing in My Business ou Countdown to Extinction, évidemment, on n'a pas grand chose à prouver à qui que ce soit. Et Anthrax, qui sont les plus... Ben on sait pas trop quoi, qui sont les plus quoi. Est-ce que c'est le groupe qui s'est aventuré le plus loin dans des territoires inconnus? Est-ce que c'était le groupe le plus fun? On sait pas trop. Au fil du temps, Anthrax, il est passé finalement de la première division dans les années 80, quand avec la première partie de la carrière, Fistful of Metal, Among the Living, etc., où ils avaient beaucoup de succès, où c'était vraiment des plus grands groupes de trash de la planète. Les années 90, ils se sont un petit peu cassés la gueule. Après, il y a eu toutes les histoires avec le retour de Belladonna, etc., etc. Et aujourd'hui, ben, il faut quand même reconnaître qu'Anthrax, ils sont en deuxième division niveau notoriété. Au niveau de la qualité discographique, c'est autre chose, mais on y reviendra plus tard. Et ils ont tellement baissé en popularité qu'aujourd'hui, il y a certains métalleux qui contestent leur place au sein du Big Four, ils préféreraient y voir par exemple un Testament ou un Exodus, mais c'est oublier un petit peu qu'est-ce qui fait le sel de l'histoire d'Anthrax, c'est le succès qu'avait Anthrax dans les années 80 et l'influence qu'ils ont pu avoir sur de nombreux groupes. L'histoire d'Anthrax est quand même relativement passionnante. On va se décortiquer tout ça avec l'autobiographie de l'icône d'Anthrax de la tête pensante, Scott Ian, le guitariste rythmique, I Am The Man, donc une autobiographie qui est sortie il y a déjà plusieurs années aux États-Unis, qui est sortie il y a déjà quelques mois aux éditions Camion Blanc et que je vous présente donc aujourd'hui. Avant de commencer, donc, un petit point sur Scott Ian. Scott Ian, il a quand même l'image du mec sympa, à l'instar de Kirk Hammett, qui d'ailleurs préface ce bouquin. Ce sont vraiment deux grands potes, tous les deux. Ils se connaissent de l'époque depuis Kill 'Em All. Scott Ian, on a l'impression qu'il est dans tous les documentaires. Il est dans celui de Sam Noone, Voyage au cœur de la bête, dans celui d'Anvil, dans le War at Verfield de Slayer. Enfin, il est partout. On a l'impression que dès qu'il s'agit de parler de métal, on appelle Scott Ian et il vient. Donc il a cette image de mec un petit peu sympa, un petit peu rigolo, ouvert sur le rap, ouvert sur le hardcore avec SOD, etc., etc. Mais c'est aussi un mec qui est connu pour être au niveau du business, quelqu'un qui a souvent viré des gens. On le verra, l'histoire d'Anthrax, elle est émaillée de beaucoup de renvois et l'instabilité du line-up, elle semble à certains moments tenir un petit peu de lui, pas que, mais un petit peu de lui. C'est un mec qui, dans sa vie privée, à certains moments, a quand même bien dérapé, notamment avec les femmes qui ont partagé sa vie. Il en parle à de nombreuses reprises dans le bouquin. Et dans le milieu journalistique, c'est quand même un mec qui est connu pour s'arranger d'une drôle de manière avec la vérité. Il est connu pour être un petit peu mytho. D'ailleurs, le premier chanteur sur le premier album d'Anthrax, Neil Turbin, quand il avait lu ce bouquin, il avait dit « Putain, mais il y a tellement de conneries qui sont racontées dans ce bouquin que ça me fait penser à un bouquin de Tolkien. » Chose à quoi Scott Ian avait répondu « Ça tombe bien, Tolkien, c'est mon écrivain préféré. » Donc on va naviguer un petit peu entre le côté sympa, le côté un petit peu moins fun, l'histoire d'Anthrax qui monte, qui descend, se casse la gueule. Enfin, c'est quand même une histoire qui n'est pas souvent racontée et qui est véritablement passionnante. Donc je suis heureux qu'on en parle aujourd'hui. Soyez bienvenus dans ce nouvel épisode de Rides & Molles. Bonsoir, ça va bien? Tequila, Henneken, pas le temps de niaiser. Scott Ian, donc, I Am The Man, il est né en 1963 dans le Queens, donc c'est un pur New Yorkais, Scott Ian, et ça va avoir une importance considérable dans sa construction musicale. Il naît dans une famille un petit peu dysfonctionnelle, son père et sa mère s'entendent pas trop, du propre aveu de Scott Ian, ils auraient jamais vraiment dû se mettre ensemble, ils se disputent souvent, ils finissent par se séparer, et Scott Ian vit avec sa mère, qui est assez traditionnaliste. Il l'a décrit lui-même comme étant
une bonne mère juive qui veut que son fils y soit ou docteur ou avocat, qui se marie avec une autre juive évidemment, et qui trouve une belle maison en fait du côté de Brooklyn, et qu'ils suivent les pas que la communauté, que sa communauté lui conseille de suivre. Sauf que le petit Scott Ian, ben, c'est un enfant qui est calme, c'est pas un enfant turbulent, c'est pas un Harley Flanagan, c'est pas un Paul Di'Anno, il est plutôt calme. Il est passionné en fait de comics, il est passionné de films d'horreur, enfin, c'est un petit geek, et il est passionné de musique. Et lui, il a pas du tout envie de suivre le rêve en fait de sa mère. Lui, très tôt, il est passionné par la musique, ben, évidemment, c'est un New Yorkais, donc Kiss, il adore plein de groupes un petit peu, il adore Motorhead, d'ailleurs il dit que quand il a acheté Ace of Spades, qu'il était petit, en fait il disait putain mais c'est des Mexicains qui sont sur cette pochette, c'est incroyable qu'un groupe mexicain joue une musique comme ça, d'ailleurs il racontera l'anecdote à Lemmy quelques années plus tard, ce qui le fera beaucoup rire. Mais au départ, quand il commence la musique, ben, il faut qu'il se démerde un peu tout seul, parce que c'est une famille modeste, ils sont pas dans la misère, mais c'est une famille quand même modeste, et donc il faut qu'il se débrouille pour acheter son matos, il faut qu'il se débrouille pour prendre des cours, et puis il rentre tout seul un petit peu, il se fait à la force du poignet pour rentrer dans le monde de la musique. Et il est plutôt bon. Il est plutôt bon en guitare rythmique. C'est plutôt un bon guitariste de métal. Et donc, au fur et à mesure qu'il découvre les groupes, il se découvre aussi une qualité de meneur d'hommes, une qualité de leader, quelqu'un qui est un petit peu âpre à la négociation et qui a vraiment, qui est motivé, qui mouille la chemise et puis qui est opiniâtre pour faire avancer les choses et pour faire avancer les groupes dans lesquels il est. Très rapidement, donc c'est quelqu'un qui, bon forcément c'est des New Yorkais, donc le hardcore New Yorkais, ils sont en plein dedans, ils connaissent l'Agnostic Front, les Cro-Mags, les Murphy's Law, il va à beaucoup de concerts de hardcore, c'est aussi un passionné de punk britannique, de Dishards, de G-Exploited, etc., etc., comme les Metallica. Et justement, comme c'est un New Yorkais, il est aux premières loges quand il voit, à travers les intermédiaires, il voit arriver Metallica à New York qui vient répéter pour l'enregistrement de son premier album de Kill 'Em All. Et à l'époque, il y a encore Dave Mustaine qui est dans Metallica. Et lui, il dit qu'il les voit arriver. Ils deviennent très vite potes. Et surtout, Metallica, ils sont contents d'avoir des mecs sur place qui leur ressemblent, qui jouent la même musique qu'eux, et qui sont prêts à leur filer un coup de main. Scott Ian, par exemple, il va leur filer un espèce de petit grippin, une espèce de mini-four, où les Metallica, parce qu'ils sont tellement pauvres qu'ils ont que dalle, ils peuvent juste acheter quelques petits sandwichs qui se font réchauffer, enfin des repas, c'est vraiment frugal, et Scott Ian leur permet de manger au moins chaud dans leur local de répète, tout pourri. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque, il dit que No Life Till Ever, donc il avait découvert la démo, il est super impressionné qu'un groupe qui joue aussi vite et aussi carré. Et quand il les rencontre, il dit que Cliff Burton, c'était celui qui était véritablement le plus cool, un petit peu taciturne, mais cool. James Hetfield, beaucoup dans son coin, l'archubric, le super volubile, tout le temps à parler, tout le temps à tirer des plans sur la comète. Et que celui qui était représenté le plus le trash, selon lui, c'était Mustaine. Parce que Dave Mustaine, il jouait à fond la caisse, il était vraiment... Il prenait la place en fait de leader, et puis il était agressif, il avait l'alcool mauvais, il avait vraiment ce côté mauvais garçon, et son Scott Ian, au début, c'était vraiment ça, c'était le trash, c'était vraiment le côté vraiment mauvais, agressif. Il est tellement en fait mauvais, tellement agressif que les autres vont évidemment s'en débarrasser très vite. Vous connaissez l'histoire, ils attendent qu'il soit fin bourré, ils le refoutent dans un car, ils le renvoient à San Francisco. Et entre-temps, ils avaient fait venir Kirk Hammett. Et Kirk Hammett arrive et donc devient très très vite pote avec Scott Ian, cette amitié qui durera pendant des années. L'amitié avec Metallica qui durera aussi pendant des années. Et la découverte en fait de voir Metallica travailler, ça inspire Scott Ian. Et donc, une des rencontres vraiment déterminantes, il y a deux rencontres musicales vraiment déterminantes pour Scott Ian dans sa carrière de musicien, c'est scène de Dan Lilker, donc qui sera au début dans Trax, qui se rendra célèbre après, qui jouera avec lui aussi dans SOD, qui sera dans Nuclear Assault, et puis après dans Brutal Truth. La carrière du mec, ça pose quand même. Et puis, surtout, donc il rencontre ce gars qui est super, super fort, en fait, qui, malgré son air nonchalant, est quelqu'un qui sait lire, écrire la musique. Scott Ian, il dit qu'il a l'oreille absolue, en fait, qu'il arrivait à déchiffrer. Le mec, il parle d'oreille absolue un petit peu facilement, je trouve. Enfin, mais qui disait que tout ce qu'il entendait, il était capable de le reproduire, en fait, à la basse.
Et il rencontre surtout Charlie Benante, qui sera le batteur d'Anthrax pour toute la carrière d'Anthrax. Et quand il découvre Charlie Benante, il trouve, il est super fort, c'est un super batteur, et il rentre tous les plans de double des gros groupes de l'époque. Donc à l'époque, vraiment, c'était Accept, où vraiment il y avait des plans de double impressionnants. Charlie Benante, il rentrait tout ça facile. Et sur les riffs en fait de Scott Ian, il jouait, puis ils accéléraient. Chaque fois Benante, il suivait, donc ça motive en fait Scott Ian à toujours accélérer, et ils arrivent donc sur le premier album à faire ce métal hyper véloce, ce qu'on appelait à l'époque du speed metal, donc les prémices du thrash. Et sur ce premier album, avec donc le premier chanteur Neil Turbin, il y a déjà des histoires, déjà ça s'entend pas bien en coulisses. Alors Scott Ian, il fait quasiment tout porter, il fait porter le chapeau vraiment à Neil Turbin. Il dit que c'est un mec qui n'était pas au niveau du look, il dit qu'il avait beaucoup d'idées à la con, qu'il lui en veut beaucoup en fait. Selon lui, selon Scott Ian, c'est le chanteur qui a voulu virer Dan Lilker parce qu'il est trop nonchalant, il est tu le vires ou c'est moi qui pars. Donc Scott Ian, il dit on s'est retrouvé en fait pris en étau, on s'est retrouvé baisé, et on pouvait pas en fait à l'aube de l'enregistrement de notre premier chanteur trouver un autre chanteur, donc on a préféré virer le bassiste et prendre le Rhodes à la place. Et Danny Lilker, donc il en voudra pas mal à Scott Ian, pas tant, il n'est pas rancunier parce qu'il jouera avec lui après à de nombreuses occasions, mais Scott Ian dit en fait que ça a cassé quelque chose, mais il l'a quand même fait pour pouvoir en fait pour que son groupe en fait puisse enregistrer son premier album. Et déjà cette manière de faire, ça va beaucoup se reproduire dans la suite de l'histoire d'Anthrax. Et d'ailleurs il en gardera une rancœur envers Neil Turbin, vu que dès qu'il aura l'occasion, il le foutra dehors, mais d'une manière en plus super sale. Il lui dit au téléphone, et voilà, on te vire, fait vraiment d'une sale manière. Je crois qu'ils se sont jamais réconciliés d'ailleurs. Et puis ensuite, ils partiront à la recherche d'un autre chanteur, parce qu'il y en a eu d'autres aussi avant, mais d'un autre chanteur, donc Joey Belladonna, qui deviendra donc le chanteur de la première période d'Anthrax. Et là, donc les premiers albums, ils commencent, donc il y a Fistful of Metal, aussi Among the Living, Spreading the Disease. Et c'est un groupe Anthrax qui est super énergique sur scène, qui est super volontaire, et rapidement ils se font un nom détourné. Ils sont aidés par Metallica, tous ces groupes-là à l'époque, ils n'étaient pas si connus que ça, mais ils s'entraidaient, et puis ça progresse. Le style musical un peu d'Anthrax à l'époque, cette espèce de trash qui déborde un petit peu sur le hardcore à certains moments, avec le moment vraiment où ils commencent à se distinguer un peu. Le moment où dans les sessions d'Among the Living, en fait, une fois que l'enregistrement est terminé, Scott Ian, qui décide de rappeler Dan Lilker avec Billy Milano et Charlie Benante, il décide de donner, parce que c'est vraiment des passionnés de hardcore, il décide de donner leur version du hardcore joué par des métalleux, en quelque sorte. Donc, évidemment, SOD, Speak English or Die, donc un album assez hyper agressif, rentre dedans, avec du blast beat à l'époque, c'était vraiment pas si courant que ça, vraiment des lyrics provocateurs, et un album qui rencontre pas tout de suite le succès en fait. Il donne assez peu de concerts, et c'est après, quelques années plus tard, que vraiment les gens vont prendre conscience de la grande qualité de cet album, et puis surtout du côté extrêmement précurseur qu'il pouvait avoir par rapport à son époque. Donc ils avaient déjà bien compris en fait l'univers musical dans lequel ils évoluaient. Et aussi à cette même période, donc le fameux single I Am The Man, donc avec la cette fameuse chanson I Am The Man, donc qui est rap metal. Alors Aerosmith et Run DMC l'avaient déjà fait avec Walk This Way, évidemment. Sauf que Aerosmith, c'est un groupe, on va dire hard rock, en tout cas qui a une grosse base blues et une grosse base rock'n'roll. Anthrax, c'est pas un groupe de rock ni de hard rock, c'est vraiment un groupe de metal. Et dans I Am The Man, ils épousent vraiment, en fait, parce que c'est vraiment des fans de hip-hop, ils aiment vraiment Run DMC, ils aiment vraiment tous les NWF et tous les grands groupes de l'époque, le Wu-Tang, etc. etc. Et donc, ils enregistrent un morceau qui est fun, mais sur la pochette, en fait, ils posent avec derrière un mur avec des graffitis, tous en survêtement, tous en prenant les poses à l'ancienne, tous les Adidas aux pieds. Et il y avait un côté un petit peu humoristique, mais en même temps, ils aimaient vraiment cette culture. Et c'est un morceau qui marche beaucoup, beaucoup, que les fans le réclament beaucoup, beaucoup en concert. Et c'est là que le groupe prend cette espèce d'image de groupe fun.
Et Scotian, en fait, il dit que, ben oui, lui, c'est un mec sympa, un mec qui rigole, mais il veut pas tout le temps être accolé à cette image du mec en Bermuda et débardeur qui fait un petit peu rigoler, qui joue des morceaux un petit peu rigolos, reprenant des airs de musique de folklore traditionnel juif pour faire des riffs de métal. D'ailleurs, les Berruriers Noirs l'ont fait aussi. Donc à cette époque-là, en coulisses, il y a pas mal de tensions, ça se passe, voilà, il y a beaucoup de tensions, il y a toujours plus ou moins des tensions dans Anthrax. Les années 90 arrivent, donc c'est vraiment la fin d'une époque, la fin de la première époque pour Anthrax, et un peu la fin du thrash tel qu'il était pratiqué dans les années 80, et tous les groupes commencent à effectuer un virage qu'ils effectueront avec plus ou moins de classe et plus ou moins de réussite. En tout cas pour les groupes mainstream, enfin mainstream, pour les groupes de métal un petit peu comme Metallica, Slayer, Megadeth ou Anthrax. Eux en fait, donc ils changent de chanteur, ils prennent John Bush, qui est une très très bonne affaire au niveau du choix artistique, parce qu'il vient d'Armored Saint, donc il avait été, Metallica le voulait à un moment comme chanteur, et c'est quelqu'un qui est très très bon, qui chante super bien, qui a ce grain de voix relativement éraillé, agressif, et en même temps c'est très mélodique, c'est quelqu'un qui peut faire un petit peu des subtilités, il peut tout faire, en plus il est énergique, il bouge, enfin, c'est vraiment un excellent choix que fait Anthrax en prenant John Bush dans ses rangs. Et ils sortent Son of White Noise, qui est un album qui est plutôt bien, en fait, au moment où il sort. Ils gardent quand même leur spécificité métal, mais ça évolue un petit peu. Ils sortent Only, alors parce que évidemment tout ça c'est pré-internet, donc il n'y avait pas le streaming et tout ce genre de trucs. Donc ils sortent Only, une chanson emblématique d'Anthrax en premier single, qui marche très bien. Et les mecs ils se disent, on enfonce le clou avec Room for One More, qui va être le deuxième single et qui va très bien fonctionner. Sauf que la maison de disques, ben, ils sont pas trop sur ça, ils sont pas trop d'accord, ils sortent une autre chanson, le groupe n'était pas d'accord, ben, ça fait un flop au niveau des singles. Ils ressortent après Room for One More, mais selon Scotian, ben, l'effet est passé, et ben, c'est un petit peu la loose et l'album. C'est pas un échec au niveau commercial, mais ça se vend quand même beaucoup moins que ce qu'ils espéraient au départ. Donc ils repartent sur l'album d'après, Stomp. Pareil, l'album est satisfaisant au niveau qualitatif, mais ça c'est pas terrible en fait au niveau des ventes. Ils changent de label, ils partent chez Elektra, donc sous les judicieux conseils de Metallica, pour enregistrer Volume 8. Qui est franchement un album, c'est un des albums que je préfère en Anthrax. Il est super équilibré, il est très très bien dans son époque. Il est servi par un single Inside Out avec un super clip qui est une inspiration où ils sont en fait dans un avion, enfin ils jouent sur un avion en fait où il y a une espèce de petit monstre qui découpe un petit peu les ailes de l'avion. Enfin, c'est d'inspiration de Steven Spielberg. Enfin, c'est super, le morceau est super, il y a un solo de Dimebag. Enfin, il y a vraiment tout pour que ça cartonne. Et en fait, le label se casse la gueule, l'album il est introuvable, donc pareil, hein, c'est la chute, enfin, c'est la loose complète. Au niveau de sa vie privée, en plus, Scotian il se marie donc très jeune avec une première femme, là il dit j'aurais jamais dû me marier avec, donc c'est une petite nana vraiment sympa, lui il la trompe à tour de bras, enfin, il lui fait vraiment, vraiment du sale, donc il divorce, elle lui en veut, donc c'est un divorce qui est compliqué, il se remarie, c'est vraiment pas servi de leçon, il se remarie encore avec une autre, et il refait pareil, il se remet un petit peu à la tromper, il se met un petit peu à faire n'importe quoi, donc il est sur la route sans arrêt, donc ça aide pas vraiment. Donc sa vie privée est relativement dissolue, et ça participe un petit peu tout ça au niveau de l'écriture, notamment sur volume 8, il y a beaucoup de chansons qui sont liées à ces divorces. Et si au départ c'était quelqu'un de relativement clean, qui faisait pas trop de conneries, qui plicolait pas trop et tout, ben, au fur et à mesure du temps, il commence à allumer sévère au niveau de la boisson, il fume plusieurs fois du cannabis, et chaque fois en fait il fait une espèce de crise d'angoisse, en fait où il tombe dans les pommes, enfin, il fait une intolérance au cannabis, enfin, à des moments il fait bien n'importe
n'importe quoi. Et tous ces éléments en fait de sa vie privée influent en fait sur sa vie professionnelle. Et donc c'est quelqu'un qui à certains moments vire les gens. En fait, on voit qu'à bien des moments en fait, il est pas tendre avec dans sa manière de gérer les relations au sein de son groupe. Et qu'il a un côté presque un petit peu manipulateur par moment. Et c'est pour ça qu'un petit peu à l'instar de Kirk Hammett qui a jamais eu en fait, lui qui n'était pas le leader, qui a pas eu à, parce que c'est vrai que c'est des décisions difficiles à prendre aussi en qualité de leader. Alors il les prenait toujours en lien avec d'autres membres du groupe. À certains moments il y avait des votes, mais du coup ben, il est un petit peu dans cette espèce de culpabilité, à des moments de pas savoir trop quoi faire. Alors il se fout un peu à picoler, etc. Et le groupe comme ça, ben, au fil des années perd. Les line-up sont pas vraiment stables. John Bush, il finit par partir. Belladonna revient. Ils ont fait des tournées avec les deux. Enfin, il y a quand même une espèce d'instabilité qui fait que à des moments on a du mal à positionner le groupe au niveau d'une image claire. Problème qu'a pas Metallica, qu'a pas Slayer, même qu'ont pas les autres, qu'ont pas Exodus, qu'ont pas Testament ou qu'ont pas pas Megadeth. Et pourtant, quand on regarde la discographie d'Anthrax, qui est plutôt une discographie qui est homogène, où il y a vraiment de très bons morceaux, où il y a vraiment de très bons albums, ben on se dit c'est quand même un groupe qui mérite sa place, et un groupe qui a finalement fait plutôt des bonnes choses, et au niveau purement artistique, ils se sont pas fourvoyés tant que ça. Et c'est là, en fait, qu'on voit que véritablement, Anthrax, ils ont sa place quand on voit en fait, quand on regarde la qualité musicale qu'ils ont proposée en fait pendant des années. Alors c'est un petit peu le jeu en fait. Il y a certains groupes qui à certains moments n'ont pas connu le succès, le rencontre des années plus tard. D'autres c'était des groupes qui avaient beaucoup de succès. D'autres moments ça se perd. Bon, c'est des choses comme ça qu'il y a des moments c'est un petit peu on peut pas trop l'expliquer. Mais par contre ce qu'il faut pas en fait oublier, ce qu'il faut pas faire, c'est refaire l'histoire et oublier en fait qu'est-ce que c'est. Qui est Anthrax et tout ce qui draine un petit peu comme histoire. Parce que quand on lit, il était au début du CGBG, en fait, au début du hardcore, et un peu comme Kirk Hammett d'ailleurs. Kirk Hammett, dans le livre de Roger Mireille, il raconte qu'une fois, à l'époque Master of Puppets, Kirk Hammett, il était venu pour jouer un morceau avec les Crumbusters, et en fait, il y avait des mecs des hardcoreux qui avaient dit, mais putain, casse-toi, toi, tu joues dans Metallica, on veut pas de rockstar ici, casse-toi ou on te démonte. Et il avait fallu l'intervention de Roger Mireille pour éviter que Kirk Hammett se fasse casser la gueule. Et il est arrivé un peu la même chose à Anthrax, qui d'ailleurs on le voit dans le clip de Bring the Noise, où il fait vraiment il a l'attitude en fait d'un hardcoreux, et il s'était fait suivre une fois en sortant du CGBG par des hardcoreux qui l'avaient suivi dans le métro et tout ça, qui le prenaient en chasse. Et qui avait dit, on va te démolir, ne viens plus jamais au concert de hardcore. Et l'autre, il avait joué un coup de bluff en disant, mais attendez, vous débarquez d'où là? Moi, j'étais là au début, le hardcore, j'en ai toujours écouté. Mais en tout cas, après, il s'en sort de cette situation, mais il arrêtera d'y aller. Et bon, quand on connaît un petit peu le Lower East Side, donc là, je vous renvoie pour ça à la vidéo sur Harley Flanagan et à celle de Roger Miré, ça rigolait pas. Et donc, vraiment, quand il y avait des mecs qui commençaient à te menacer de te casser la gueule, t'avais des chances quand même à certains moments que ça arrive. Donc qu'il ait pris ses précautions, c'est pas non plus complètement idiot. Mais il y a ça comme histoire, donc il y a ça quand il était, évidemment le mec, ils étaient en tournée avec Metallica pendant à l'époque de Master of Puppets, quand Cliff Burton est mort. Donc c'était quelqu'un qui était présent, Scott Ian, qui était là pour réconforter James Hetfield. Mec à l'époque, c'est ça en fait, il faut bien se rappeler, les mecs c'était des gosses en fait. C'était encore des gamins, des jeunes adultes qui étaient encore vraiment insouciants, qui connaissaient pas grand chose finalement à la vie, et surtout à la mort, et qui, à 24 ou 25 balais, se retrouvaient en fait frappés par un deuil avec un de leurs meilleurs potes qui meurt dans des circonstances en fait atroces, des circonstances hyper injustes. Et les mecs, ils sont frappés par la tragédie comme ça, et ça, ça te marque, quoi. Que ça soit maintenant des millionnaires, des mégastars, malgré tout, ce genre d'événement, en fait, ça les a marqués. Et Scott Ian, il était là à aider James Hetfield, qui apparemment est celui qui a le plus mal réagi, qui le prenait le plus mal, qui a le plus de tristesse. Et il était là, et donc c'est né une amitié. Donc quand il raconte les moments où il a ses déconnes avec Al Jourgensen de Ministry, qui lui est pas le dernier quand il s'agit de foutre la merde, et de faire des conneries aussi d'ailleurs, enfin, quand il parle de Lemmy, quand il parle. Enfin, c'est un mec qui quand même porte une histoire du métal qui mérite d'être contée,
qui mérite d'être lue et qui est intéressante. À la fin, il y a des BD, en fait. C'est Scott Ian, en fait, qui a fait, il y a une BD avec Dimebag Darrell qui raconte un petit peu les anecdotes avec Dimebag ou une anecdote avec les Mickey Mister. Donc, il rend hommage un petit peu à sa passion de la BD. Et finalement, c'est un bouquin qui est... vraiment que je trouve sympa à lire parce que justement en fait c'est peut-être quelqu'un qui est un petit peu moins iconique que peut l'être je sais pas moi ouais évidemment Lemmy, Ronnie James Dio ou Rob Halford, mais qui quand même parce que il a été en première division, qu'il est parti en deuxième, c'est quand même cette position un petit peu d'outsider, c'est malgré tout profondément métal ça, et c'est une histoire qui mérite vraiment d'être racontée. Donc I Am the Man de Scott Ian, donc un bouquin que je vous conseille chaudement. Ça va? Vous allez bien? Vous n'avez besoin de rien? On va se quitter comme ça. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. En attendant, prenez bien soin de vous et surtout n'oubliez pas... Lisez! Lisez, bande de salauds!